Ok, c'est Sinox, donc avec le groupe Shaolin Genzu. Disco Diaz, One Try Records. Voilà. Donc c'est le label ça. Voilà. Label One Try Records, avec Shaolin Genzu. Bon, il y a Dier qui n'est pas là. Shaolin Genzu, je répète, c'est moi et Dier Degas. Et les deux, c'est Disco Diaz. Mais souvent, les gens, ils disent Shaolin Genzu. Ouais, c'est ça en fait. Vrai, ouais. On parle souvent de Shaolin Genzu en tant que groupe avec plein de membres. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est moi et Dier. Oui, c'est Disco Diaz, tu vois. En fait, comme je le redis encore, ce que je dis souvent, c'est que Genzu, tu vois, Genzu, c'est notre nom de famille, on va dire, tu vois. Nous aussi, c'est Genzu, mais Shaolin Genzu, c'est les rappeurs. Disco Diaz, c'est des autres rappeurs. Le label, c'est Don Quai Record. Notre collectif, c'est Roi de l'Andougoune. Mais notre nom de famille, c'est Genzu. Tu vois, comme on a l'habitude Disco Genzu, et comme on est ensemble, bah, tout le monde nous appelle les Genzu automatiquement, voilà. Tu vois. On a l'habitude de faire aussi des concerts ensemble, tu vois. Voilà. De se mélanger, de mélanger nos morceaux et tout, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ça, tu vois. Voilà. Donc pour répéter, en gros, Don Quai Records, il y a deux groupes, Shaolin Genzu et Disco Diaz. Et c'est une équipe de Clichy Montfermeil. C'est une équipe de Clichy Montfermeil. Dans le 93. 93. Voilà. Eastside. Voilà, en parlant d'Eastside, en plus, je voulais poser la question à Mike Jack. Ouais. Parce qu'on voyait beaucoup de vidéos en ce moment qui font le buzz, où tu parcours un peu tous les quartiers de Clichy Montfermeil. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est une compilation qu'on avait décidé de faire, tu vois, pour regrouper un peu les artistes de Clichy Montfermeil. Comme dans une interview avant, tu m'avais demandé, ouais, style, est-ce qu'on est ensemble, on n'est pas ensemble. Il y a beaucoup d'artistes, comme tu sais, tu vois, chez nous. Et à un moment, je me suis dit, t'as vu, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de sons. Et malheureusement, on n'est pas assez exposés. Donc j'avais décidé de faire une compilation Eastside Connection, tu vois. Regrouper tous les gars de chez moi, tu vois. Que ce soit Disco Diaz, Shaolin Genzu. Et même plusieurs générations. Voilà, les anciens, la basse-cour, Sean, Kerr, Ballastic Dog, tu vois. BFBC, Barreau. Il y a Barreau, il y a Bomber aussi. Voilà, Bomberman. Il y a tout le monde, tu vois, tous les gars que... Enfin, il y a tout le monde, il n'y a pas tout le monde. Il y a Ballastic Dog aussi. Ouais, Ballastic Dog. Tu vois, tout ça, en fait on a, comme je disais, nous, on a tous grandi plus ou moins ensemble. On a tous fait du rap plus ou moins ensemble dans la même école, tu vois. On a appris les bases ensemble. Et c'était pour que les gens ils sachent un peu qu'il y a une connexion entre nous. C'est pas parce qu'on fait pas de choses ensemble ou quoi qu'on est des ennemis, tu vois. Et l'union fait la force. Et j'en profite aussi pour passer ce message à tout le rap français, tu vois. Que les gens, tout le monde est dans son coin, tout le monde fait du n'importe quoi, tu vois. Alors que les gens sont ennemis pour rien du tout. Donc nous, on fait nos trucs de notre côté, mais on est ouvert à tout le monde. Et tu vois, force à tout le monde. Et pour réaliser cette compile, en fait, comment tu t'es pris, en fait? Ben, j'ai demandé un morceau à chacun, tu vois. C'est des morceaux que moi j'ai kiffé, tu vois, personnellement. Donc c'est des morceaux déjà sortis, en fait? Voilà, la plupart c'est des morceaux déjà sortis. Et où il y avait un clip, il y avait quelque chose. Et j'ai demandé le morceau, comme tous les gens dedans, c'est mes frères, tu vois. Ouais, Salam, t'as vu, j'ai kiffé tel morceau, je vais faire une compile. Vas-y, donne. Il n'y a pas eu trop de soucis, tu vois, tout le monde m'a donné ses trucs. Et puis voilà, tu vois. Et t'as appuyé le truc aussi en allant dans chaque quartier? Pour aller voir le rappeur, en fait. Pour aller voir le rappeur, aller discuter un peu avec lui, tu vois. Discuter un peu avec lui de... De l'état d'esprit aussi du rap à Clichy. Voilà, l'état d'esprit et du rap de Clichy Montfermeil par rapport à... Parce qu'il y a une couleur, il y a une certaine couleur chez nous, tu vois, dans le rap. Et j'ai voulu l'exposer, tu vois. J'ai voulu l'exposer, montrer aux gens ce qui se passe chez nous. Que les gens s'intéressent, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais il y a quand même un petit boycott par rapport au rap de chez nous, tu vois. J'ai voulu que les gens s'intéressent un peu plus, tu vois. C'est vrai que le rap de Clichy Montfermeil, il a été mis à l'écart à un moment. Voilà, il a été mis à l'écart, on ne sait pas pourquoi, tu vois. Mais bon, nous, il y a toujours eu du rap chez nous, ça a toujours été dans notre culture, tu vois. Il y a toujours eu beaucoup de live, beaucoup de concerts, beaucoup de... Tu vois, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées chez nous, tu vois. Et tu relevais une question importante quand tu allais voir les rappeurs, c'est... Est-ce que tu penses que les médias, en fait, ils ont dégradé l'image de la ville? De toute façon, les médias comme ça, de ce genre-là, ils s'intéressent quand il y a que des trucs de merde, tu vois. Quand il y a des trucs positifs, voilà. Quand il y a des choses qui se passent dans Clichy Montfermeil, jamais de la vie, ils vont le dire, jamais. Tu vois quoi. Après, t'as vu, c'est donc, plus... après, nous, on fait plus les choses pour les gens des quartiers. Ouais. Après, c'est pas que pour les gens des quartiers, tu vois. C'est pour tout le monde, notre musique, c'est pour tout le monde. Mais après, t'as vu... Je parle avec beaucoup de gens, ils vont nous dire, ouais, il faut qu'on montre aux gens qu'on a une certaine valeur, qu'on montre aux gens des autres quartiers, les gens des autres classes, on en a rien à foutre. Nous, on sait ce qu'on vaut, tu vois. On sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on fait. Regarde, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans les quartiers, il y a beaucoup de choses qui se passent, tu vois. Regarde, on a une marque, Don Quai Records, Don Quai Clothing, tu vois. Genzu Wear, on a plein de trucs. On a un label, on fait des choses. Des clips de qualité aussi. Des clips de qualité, avec des scénarios, des réalisations, tu vois. On fait plein de choses et on n'a rien à montrer à personne, tu vois, rien de ce côté-là. Montrer, maintenant, les médias, comme j'ai dit dans une autre interview, ils parlent que des trains qui arrivent en retard, tu vois, les gens. Ils n'aiment pas ce qui est bien.
C'est à nous de nous valoriser nous-mêmes, tu vois. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'on se donne de la force, même entre rappeurs, que ce soit des rappeurs d'ailleurs, de partout, qu'on commence à changer de mentalité, tu vois. Bien sûr. Parce que le rap français aujourd'hui, il pue sa mère. Ah oui, les gens, ils sont là, chacun dans leur coin, et ils racontent de la merde et ça rien, pleure. Tu vois. Et ça pleure. Et ça pleurniche. Alors qu'on devrait plus faire comme au State, serrer plus les coudes, tu vois. Et faire des gros trucs, des gros événements, des gros trucs. Là, là, nous, on fait notre concert le 11 octobre, tu vois. On invite tout le monde à venir montrer un peu de solidarité, tu vois. Et nous, on ferait de même. Nous, on bouge dans les concerts des gens, il n'y a pas de souci, tu vois. Et parlez-nous de ce concert, parce que c'était le sujet même de la vidéo à la base. Voilà, c'est ça. C'est le gros concert, là, le 11 octobre. Espace 93. Donc, Espace 93, je crois que c'est une grosse salle, ça. Voilà, c'est une grosse salle. C'est une grosse salle. C'est une salle mythique, tu vois. C'est une salle mythique du quartier, il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas, tu vois. Mais il n'y a jamais eu le concert d'un groupe, tu vois. Donc là, c'est votre concert. Voilà, c'est notre concert, notre univers, tu vois. Et on vous prépare quelque chose de... Regarde, t'es invité déjà. Merci de l'invitation. Passer, tu vois, bah, on va préparer quelque chose de... Ah ouais. Non, parce qu'on sait, pour les gens qui savent pas, c'est que vous êtes des gens de scène. Ouais. Et que même à l'époque, tu m'avais invité à un concert de la section d'assaut, en fait, Watibé, qui était dans votre ville. Voilà, et vous avez participé avec des artistes aussi de Clichy. Exactement, ouais. Ça, c'était il n'y a pas longtemps, en plus, c'était quand en juin. Ouais, en juin, voilà, c'était la première partie de Watibé. Et parle-nous de cette expérience aussi. Ouais, après, t'as vu ça, on a fait déjà beaucoup de gros événements comme ça, tu vois. Non, c'est toujours bien parce que là, c'est des 5000, 6000 personnes qui étaient là, tu vois. Et voilà, nous, on a tout donné. On a fait ce qu'il fallait faire, tu vois. On est là pour mouiller le maillot. Et on fait le taf, tu vois, la première partie. On a fait aussi le cabaret sauvage avec Seth Gecko aussi, tu vois. On fait toujours le taf, tu vois. Les gens sont toujours réceptifs parce qu'on essaie toujours de ramener quelque chose d'authentique, tu vois. C'est pas que du rap, tu vois, c'est pas ça. C'est du rap. Il y a de l'ambiance, il y a un univers, on essaie de jouer avec les gens. Et c'est ça le hip-hop à la base. C'est pour ça qu'on fait du rap, tu vois, on a grandi dans ça, tu vois. On n'a pas grandi que on n'a pas grandi au studio, voilà. On n'est pas des rappeurs de studio. J'ai l'impression que vous êtes des hommes de scène quand même. Ouais, voilà, on est des hommes de scène, on n'a pas fait du studio, nous, direct. T'as vu ce qu'on préfère le plus, c'est quoi en gros, tu vois. T'as vu ce qu'on préfère le plus, c'est quoi. C'est que quand on fait des scènes, t'as vu, les gens, quand ils ne nous connaissent pas, on kiffe ça, tu vois. Parce que, t'as vu, quand ils viennent sur scène, maintenant, t'as vu, ils passent à la radio et tout, ils viennent. Ils ont même pas posé, les gens écrit. Dès qu'ils sortent, le concert, il est trop bien. T'as vu, après, c'est comme ils veulent. Nous, c'est quoi. Nous, on aime bien qu'on arrive au terrain qui n'est pas conquis. C'est pour ça qu'en gros, on est bon sur scène, parce qu'on se casse les couilles pour que tout le monde saute, tu vois. C'est-à-dire que demain, il y a un rocker qui nous invite. Sur ma tête, on y va. Rocker, il nous invite, on y va. Johnny, il nous invite à faire sa première partie. On va aller, crois-moi, qu'ils vont tous sauter. Tu comprends ce que je veux dire? On va faire en sorte pour qu'ils sautent, mais en restant rap. Parce que t'as vu, nous, on se travestit pas. On veut pas, comme il a dit Mike, on veut pas montrer que non. On est nous-mêmes, on vient, on fait sauter, on fait bien que c'est ça, en fait. Voilà, tu viens avec ta couleur, ton truc. Voilà. Toi, nous, on est des Africains, on mélange la culture africaine, la culture que les gens, ce qu'ils aiment, tu vois. On mélange tout, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu viens dans un de nos concerts, il y a tout ce qui. Tout ce qui peut faire bouger les gens, qui peut faire kiffer les gens, on essaye de faire un bon mélange, tu vois. Et tout ce qui nous représente. La danse hip-hop, voilà. le break, tu vois, il y a tout. Et vous êtes des hommes du hip-hop, ça faut le rappeler. Voilà, de base. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans le rap français, mais qui ne sont pas du tout hip-hop. Voilà, exactement. Ça, mais justement, ils essaient de différencier, tu vois. Ils essaient de différencier le rap et l'hip-hop. Le rap, c'est une branche du hip-hop, tu vois. Faut pas l'oublier. Et faut pas négliger les autres cultures comme le graphe, comme le break, bien exactement, sûr, tu vois. Et nous, on est passé par toutes ces disciplines, tu vois. On a dansé, on a graffé, tu vois. Après, maintenant, on s'est mis au rap il y a bien longtemps, tu vois. Mais on a toujours l'âme du hip-hop. Pourquoi? Parce que l'hip-hop, ça réunit les gens. Et le rap, aujourd'hui, malheureusement, ça divise, tu vois. Donc aujourd'hui, si vous êtes rentré dans le rap, c'est parce que c'est une union, en fait. Exactement. Là-bas, c'était une ambiance, c'était un mouvement. Nous, on est rentré dans le rap. Moi, je suis rentré dans le rap, j'ai dit quoi? J'avais 10 ans, 11 ans, pour te dire. C'est quelque chose, j'ai vu, j'ai dit putain, les grands, ils sont ensemble. Les gens, ils sont ensemble, il y a les frères, il y a les sœurs, ils sont ensemble. Il y a des trucs qui se font, il y a une énergie, tu vois. Ah, moi, je kiffe. Je kiffe ça. Il y a un truc qui déchire, tu vois. Tu voyais les trucs après à la télé, tout ça, tu vois. Tu voyais, il n'y avait pas internet. Tu étais obligé de rester tard pour regarder les clips et tout. Il y avait un mouvement, tu vois. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est chacun est dans son coin, chacun prend sa caméra et il fait son petit truc. Il y a des vues, il est content, et puis il sort même pas de chez lui, le mec. Tu vois ce que je veux dire? Des mecs, on les a jamais vus, tu vois. Et c'est dommage. C'est pour ça, nous, on invite les gens à venir au concert. C'est pas cher. C'est 8 euros. Voilà, parlons des choses. Parlons peu, parlons bien. C'est quoi les tarifs? Voilà, c'est 8 euros pour les adultes, 5 euros pour les moins de 18 ans, tu vois. On a voulu faire un prix pour que ce soit accessible à tout le monde, tu vois.
Et c'est un show de combien de temps en fait? C'est un show de peut-être de 2h30, 3h, 3h. Et je crois aussi qu'il y aura des invités surprises. Ouais, voilà. Il y aura des invités comme... On peut en parler des invités? Ouais, après il y a des invités, il y aura quelques surprises qu'on va garder, tu vois. Après il y a qui? Il y a Bomberman, il y a... Le Clichy, hein. Le Clichy, il y a BFBC, les petits frères à nous aussi. Et il y a Mokobé aussi, normalement. Ah, il y a Mokobé 813. Il y a quelques autres surprises qu'on n'a pas dévoilées aussi. Il y a Ami aussi, normalement, qui doit venir. Il y a Ami aussi. Ami, ex, Ami et Bushy, c'est ça? Voilà, c'est Ami, tu vois. Et après, il y aura des danseurs, des bons groupes. Et il y aura des surprises. Des surprises. Un gros spectacle, ne vous inquiétez pas. Il y aura beaucoup de surprises, parce qu'on aime bien, tu vois. On aime bien que les gens soient surpris. À chaque chose, chaque show qu'on fait, on essaie de ramener des nouveaux trucs. Et surtout que les gens ne font pas. C'est comme il a dit, les gens maintenant ils sont connus, ils viennent, les gens ils chantent leur texte et puis il n'y a aucun jeu de scène. Il n'y a pas d'effort, tu vois ce que je veux dire? Même Beyoncé fait des jeux de scène. Et il paraît même qu'il y a eu un playback. Non, mais elle après c'est une machine. Au moins elle fait un jeu de scène. Quand les gens y vont, tu vois, les gens ils sortent avec la banane, ils en ont pour leur argent. Bien sûr, c'est ça la scène. Après en France, c'est. Le seul mec qui m'a fait vraiment bouger un peu, c'est Few et Kerry James. Ouais, quand je les ai vus, j'ai dit, ah quand même, t'as vu, il y a quelque même chose. Même C4, ils sont pas mal sur ça. Ouais, ouais. Voilà. Mais après, franchement, le reste, c'est pas trop ça, tu vois. Le peu que j'ai vu. Sans vouloir allumer, hein. Comme je t'ai dit, je suis pas là pour diviser. C'est bon, on en a marre. On parle de scène, t'as vu, c'est pas pareil. La scène, c'est vraiment. Par exemple, tu peux. L'artiste, tu l'aimes pas, mais quand tu vas sur scène, tu peux kiffer, tu vois. Ou comme les artistes, tu les kiffes, mais quand tu vas sur scène, t'aimes pas. Comme Lady Gaga, j'en ai rien à foutre de Lady Gaga. Mais quand tu la vois ce qu'elle fait sur scène, tu sais qu'elle taffe, tu respectes son travail. Tu comprends ce que je veux dire, c'est un tout. Travail qui est fait. Voilà, c'est tout. Après, et qu'est-ce que vous attendez de ce concert en fait? Des gens de la ville, même des gens qui sont ailleurs? Parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de Clichy Montfermeil, mais il faut aussi dire que c'est pas un concert que pour les gens de Clichy. Ah non, justement, justement, si on vient de voir, c'est pour que ça soit exposé à une plus grande partie. Plus grande échelle, voilà. Plus grande échelle, tu vois. Parce que voilà, rappelez que tout le monde est convié, voilà, quoi. C'est un truc, c'est vrai, c'est à Clichy sous-bois, mais tout le monde est convié. Clichy sous-bois aujourd'hui, c'est une ville symbolique, tu vois. C'est une vie symbolique, c'est passé ce qui s'est passé, tu vois. Justement, ça nous tient à cœur de faire là-bas. On a fait déjà des concerts sur Paris, tu vois. Mais là, et même au Brésil. Voilà, jusqu'au Brésil, au bout du monde, on est allé, tu vois, il n'y a pas de problème. Il y a des vidéos sur Internet qui le prouvent. Voilà, il y a des vidéos, il y a plein de trucs. On a fait des shows au Brésil, ma gueule. Dans toute la France, on a tourné, on a fait plein de trucs, tu vois. Mais là, cette fois-ci, c'est à Clichy et c'est notre concert à nous uniquement, tu vois. C'est notre univers. Déplacez-vous, vous serez bien accueillis. Faut pas regarder les médias, ce qu'ils disent ou quoi. Faut venir, faut faire le déplacement. Vous inquiétez pas que ça va être un truc de ouf et que c'est pour tout le monde. C'est pas ouais style, c'est un Clichy, c'est pour les gens de Clichy. Là, on parle à tout le monde, tous ceux qui aiment le vrai hip-hop. Ça fait longtemps. Il y en a même, je parle aux petits frères qui ont jamais eu la chance de voir un truc de hip-hop parce qu'ils sont trop petits. Tu vois, ils ont jamais eu la chance pour eux. Ils croient que c'est resté comme ça et tu vois. Voilà. Et je les invite à se déplacer. Par rapport aux places, pour ceux qui sont un peu loin du secteur, par le biais d'Internet, Clichy-sous-Bois, à la mairie, ils pourront avoir les places. Réserver les places. Ouais, il y a des préventes, même sur billetsreduc.com, tu vois. Billetsreduc.com, voilà. Sur billetsreduc.com, il y a des préventes. Sur le site de la mairie de Clichy-sous-Bois aussi, il y a des préventes, tu vois. Donc directement en ligne, sécurisé. Voilà, directement en ligne, sécurisé, tu vois. Tout est carré. C'est un truc sérieux, c'est un bon truc. C'est pas n'importe quoi, tu vois. Les spectacles, c'est en place assise, le spectacle. C'est-à-dire, c'est pour tout le monde. Tu peux venir, tu t'assois tranquille, tu regardes ton petit spectacle. T'inquiète pas, c'est du propre, tu vois. Et pour les gens qui n'ont pas de carte bancaire et qui veulent directement se déplacer le jour du concert, c'est possible? Non, tu viens, tu vois. Après, il faut venir à l'heure, tu vois. Le truc, ça va être 19h, tu viens à l'heure, comme ça, tu es sûr d'avoir ta place, tu vois. Et il n'y a pas de souci, tu viens, tu payes sur place, sur rente, tu vois. Il n'y a pas de souci. Et pour les gens qui désirent aussi avoir des t-shirts, tu en auras ce jour-là? Il y aura un stand, il y aura un stand de t-shirts. Ceux qui veulent venir nous voir pour discuter avec nous, il n'y a pas de souci, on sera là, on sera accessible. Il y a des t-shirts, il y a des CD, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est un concert un peu familial quand même. Ouais, voilà, c'est un truc familial. Le hip-hop, c'est familial, frère. Tu comprends ce que je veux dire? C'est maintenant que c'est un peu un lit. À la base, hip-hop. Donc vous êtes à l'opposé de tout ce qui se passe en ce moment, en fait. C'est pas qu'on est à l'opposé, c'est que nous, on sait faire la différence entre la vraie vie, la musique, le hip-hop, le rap, tu vois. C'est comme par exemple, là, Alpha 5 Vibe, il fait un bon truc pour l'esclavage. Je le passe à Big Up. Tu vois, c'est pas mon pote, c'est pas mon truc, mais ce qu'il a dit, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien. Et puis voilà, tu vois. C'est simple, parce que là je fais une petite différence entre la musique et la vraie vie, tu vois. Si j'aime bien, je le dis. C'est pas parce que on n'est pas dans la même équipe et tout que je veux pas dire. Que c'est pas un mec de Clichy-Montfermeil. Que ce qu'il dit, c'est pas bien, tu vois. Comme il y a des gens de Clichy-Montfermeil, t'aimes pas forcément ce qu'ils font. Voilà.
Mais, voilà. Mais après, il y a de l'humain, tu vois. C'est ça que je dis, tu après, vois, il reste l'humain, tu vois ce que je veux dire. On va tout mélanger, tu vois. C'est vrai ce que tu dis, non, tu vois. Par exemple, ils aiment pas, par exemple, il y en a qui l'aiment pas, par exemple. Donc, ce qu'il fait, ils vont pas parler de ça parce qu'il aime pas. Alors que, si lui, tu l'aimes pas, t'en as rien à foutre, mais ce qu'il fait, c'est bien. Donc, tu le dis. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je vois les bails, tu vois. C'est comme par exemple, il y en a, ils aiment pas Booba, mais ce qui est professionnellement, ce qu'il fait, c'est bien, tu vois. Dans le business, ce qu'il fait, c'est bien. Après, la musique, t'aimes ou t'aimes pas, tu vois. Mais dans le business, comment il gère ses affaires, qui peut dire que c'est pas bien? Tu vois, les gens, ils mélangent, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, ils mélangent, faut pas, t'as vu, c'est pour ça que, comme on dit, on se met des barres, on se met des bâtons tout seul, tu vois. Et le pop aujourd'hui, il est malade. Il est malade et c'est de la faute à qui? C'est de notre faute en premier, en tout premier. Ouais, les principaux acteurs, bah c'est eux, il faut dire. Après, il n'y a pas que nous, tu vois. Il y a aussi les médias. Il y a ceux qui ont les radios, il y a tout, tout un ensemble. Et il y a aussi le public. Ah, il y a le public aussi, mais le public. Je crois que c'est pas de le public, il a commencé à suivre. Bon, aussi, c'est un peu de leur faute depuis qu'il y a eu les commentaires. Depuis que. Moi, pour moi, depuis qu'il y a eu les likes sur YouTube. Voilà, depuis qu'il y a les gens, ont commencé à commenter, donner leur avis, ouais. Tu vois, après, c'est passé en cacahuète. Mais t'as vu, c'est un tout. Et nous aujourd'hui on est là, on essaye quand même. On essaye de faire changer les choses. Et tout le monde a ce pouvoir là, tu vois. Voilà. Je vous laisse rappeler la date du concert et le mot de la fin. Le 11 octobre. 11 octobre, espace 93, Clichy-sous-Bois. Donc voilà, on vous invite. Venez tous. Voilà, hip-hop, venez tous, ce sera hip-hop. Un pur concert. Ah, pur concert. Concert. Des grosses surprises, ne vous inquiétez pas. Gros concert, 11 octobre. Aïe. Shaolin Genzu Desco Jazz, donc le record. Big up à Sinox. De toute manière, on peut suivre l'actu sur les réseaux sociaux parce que je sais que vous êtes très actifs. Voilà, on est là. Il y a plein de vidéos, il y a plein de trucs, on est là, ça discute, ça. Il y a tout, il y a des débats, il y a tout ce que tu veux. T'inquiète pas. Il y a tout. On est là, on est humain, on est là, on est vraiment là, nous. Merci à vous, les gars. Vas-y, merci à toi, surtout. C'est un très très bon, le frère Sinox. Voilà.